Bienvenue sur ma chaîne, un direct potager numéro 2. Vous avez vu le nouveau concept, c'est comme un direct live, mais c'est par rapport au jardin et tout ce qui dépend du jardin, l'abri de jardin, les plantations, les piquages et tout le train-train. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire le point avec l'abri de jardin. Abri de jardin qu'on a refait avec Daniel, la dernière ça n'a pas été possible. Donc là on l'a refait et je vous montre de loin. C'est un peu le bordel, mais on a sorti tout de l'abri de jardin. Et on a refait la bâche. Toute la bâche. J'ai abandonné mon système de panneaux rigides. Trop coûteux et très compliqué à mettre en œuvre. Et là, aujourd'hui, j'ai mis en place ces deux petites moustiquaires qui sont en haut dans le triangle là. De chaque côté, et Daniel m'a demandé de rendre opaque la bâche en peignant à la bombe en blanc hein, pour que le soleil qui est toujours cette luminosité et qui est que le soleil tape pas directement dans le dans la serre pleine bille pleine bâche. Voilà, on va faire un petit tour à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, les étagères, on va tout remettre en place. Et on verra peut-être pas un grand rendu, mais voilà, c'est plus opaque. Voilà. Donc, première partie de la vidéo. Allez, je vous reprends après. Reprise de la vidéo, j'ai fini la première vitre de protection. Je ne sais pas si on la verra bien, si elle est là. La première vitre qui va protéger la moustiquaire. Alors c'est des vitres qui seront fixées par vis. Alors, il y a trois trous. Là je les ai collés à la colle époxy, un trou, et j'ai mis une rondelle, collé une rondelle autour du trou pour quand je viens visser, que la tête de vis pète pas tout de suite là le bord du plastique qui est fragile. Voilà. Ça va être mis en place. Ça va être mis en place dès que la colle époxy est sèche. Là, je vais faire tracer et découper le deuxième. Tout ça est fait avec des chutes, hein, des chutes de Pepsi glace là, de panneau en plastique transparent là. J'ai encore une chute là-bas, là. Tac. Ça va. Ouais. Daniel fait le tri de tous ses pots. Belle. Les chiens vont bien. Et ouais, il me reste encore un morceau là pour faire la découpe ici. Hein. On va faire un truc simple. Par exemple pour le poulailler. J'ai fait ce système là pour le poulailler. Je vais vous montrer. À la base, il y a une fenêtre, il y a une grille pour pas que ça se barre, et il y a un carreau en plastique derrière. L'été, ça permet de faire d'aérer. Voyez. Et le système est vissé là, pareil. Hein. Ça fait des luxes rester comme ça. L'hiver, je mets le carreau. Hein. Ça va être temps que je le défasse même. Allez, je vais reprendre tout à l'heure. Allez, reprise de la vidéo. Là, je vais faire quelques semis. Daniel est parti finir ses tours à patates. Et voilà, moi, je me suis fait un petit poste de travail. Un truc pour m'asseoir. Et je vais vous montrer un peu ce que je veux planter. Alors, j'ai de la laitue Cocopelli de 2016, de la salade Cocopelli 2018. Hein, la laitue, c'est de la laitue à couper. Et ça, et regardez mon amour. Oh là là, ma toupie. Toupie. On vient de se réveiller, ma douce. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du persil. Et de la
La tomate. C'est quoi la compote là, la tomate? C'est quoi la tomate là que t'as marqué là, composite là? Ah ouais, bon, ça c'est des graines de tomates qu'on poussait dans le compost, qu'on a récupéré, donc ça a vraiment poussé à l'arrache. Donc on va voir, je vais essayer de faire ça, de faire quelques semis, et je reprends après. Reprise de la vidéo, je vous montre ce que j'ai planté, ce que j'ai planté. Alors, les tomates du compost, les salades cocopili, les laitues à couper, et là du persil, et puis ça c'est les tomates cerises, et ce que j'ai déjà planté auparavant, on voit 8-4, voilà, ça pousse tranquille. Alors ces boîtes, hein, je les ai payées 6 € à Lidl, avec le petit support en carton là où on met le terreau dedans. Voilà, on quitte complet, comme ça c'est 7 €. Après le restant des plantations c'est comme ça. Allez, j'ai 2-3 trucs à faire, je vous reprends après. Allez, reprise de la vidéo, dernière partie de la vidéo. Je vais vous montrer ce que Daniel est en train de faire. Voilà, on est au niveau du bac à compost. Donc on est en train de vider le bac à compost, récupérer le compost pour faire les tours à patates là-bas. C'est gratuit, c'est pas cher. La terre est pas mal parce qu'il y a pas mal de vers dedans. Et ça nous fait de la terre, du compost gratuit. Et la finalité, c'est de tapisser le fond. Le fond, tout le fond et tout l'intérieur du bac avec un grillage pour éviter que toutes les bestioles remontent. Parce que là, ça arrive des fois qu'on voit des souris. Je pense qu'elles doivent des fois faire leur nid dedans. Et le but, voilà, c'est de tapisser le fond en grillage pour pas que les bestioles remontent. Hein, c'est sympa. Salut. Voilà, beaucoup de courage. Voilà, ça bosse, hein, ça bosse. Donc, et l'objectif, c'est de faire, ça va se mettre au point, de faire 5 tours à patates. Là, vous voyez, le potager, l'herbe qui commence à pousser. Donc, on est pas mal. Donc voilà, deuxième vidéo de l'indirect potager. Dites-moi si ce format de vidéo vous plaît. C'est un peu comme l'indirect live, mais là, là ça concerne le potager et tout ce qui est attenant au potager. Je vous laisse et dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si je continue. Et comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, ciao, merci et à plus sur ma chaîne.